So, good morning, friends. I would like to make, first of all, a few remarks which are aimed simply to thank the Interpol leadership for inviting me to take part in this expert meeting. Indeed, as the director just mentioned it earlier, I was very much involved in the early trainings which took place in Arusha. And I'm glad, with my new hat, also to continue to work closely with Interpol. And with your permission, being in Lyon, this beautiful French city, you will allow me to continue my statement in French. Je voudrais dire tout d'abord que je tiens vraiment à remercier très sincèrement Interpol d'avoir organisé cette réunion d'aujourd'hui qui vient à point nommé. Et malgré les infortunes du passé, il reste hélas dans le monde d'aujourd'hui des cas probables de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou des situations qui préludent à ces atrocités. Prévenir ces crimes gravissimes est l'affaire de tous. Aucun pays ne peut se croire à l'abri et chaque être humain a un rôle à jouer dans la prévention. Vous conviendrez avec moi que la prévention du génocide et des atrocités massives représente une tâche énorme qui requiert la participation active de tous les acteurs à tous les niveaux. Ce n'est que si les États membres, les organisations régionales et sous-régionales, les organisations internationales et la société civile œuvrent tous de concert que nous pouvons envisager sérieusement de prévenir ces crimes horribles. Dans le document final du sommet mondial de 2005, tous les chefs d'État et de gouvernement ont assumé l'obligation qui leur incombe à titre individuel et collectif de prévenir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, y compris l'incitation à commettre de tels actes. Il s'agit là d'une réussite remarquable puisque par ce document, tous les États membres de l'ONU s'engageaient à prévenir ces crimes. Pour y donner une suite concrète, il faut prendre des mesures appropriées, notamment en mettant en place des structures et des mécanismes appropriés. Mon expérience de secrétaire général de la Commission internationale de justice à Genève, celle de greffier auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et aujourd'hui les fonctions que j'assume en tant que conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, m'ont permis de comprendre que la possibilité que soient commises des atrocités massives était toujours une question délicate pour de nombreux États. Dans le monde entier, les États sont réticents à admettre que des atrocités pourraient être perpétrées ou sont perpétrées sur leur propre territoire. Mais nous savons très bien qu'aucun État n'est entièrement à l'abri de ce danger. Des atrocités massives peuvent se produire dans n'importe quelle partie du monde. Par conséquent, nous devons tous rester vigilants et intervenir dès que la situation le commande. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter les dirigeants d'Interpol qui ont très bien compris les enjeux de la lutte contre les atrocités massives. En réunissant périodiquement des experts de toutes les régions du monde pour réfléchir ensemble sur les questions de prévention et de répression du génocide et des atrocités massives, Interpol se place à la pointe du combat qui est mené dans ce domaine. Et si vous le permettez, je m'en vais très brièvement vous exposer les attributions qui sont les miennes en tant que conseil spécial pour la prévention du génocide et plus précisément les volets de mon mandat ayant trait au renforcement des capacités des organisations des Nations Unies et de la communauté internationale en matière d'analyse et de gestion des informations relatives au génocide et aux crimes apparentés. J'expliquerai également comment mon bureau travaille au moyen notamment des programmes de formation qu'il a mis au point. Comme vous le savez peut-être,
c'est seulement depuis juillet 2012 que j'ai été nommé à ce poste par le secrétaire général Ban Ki-moon et j'ai pris mes fonctions début septembre. Et j'entends m'appuyer sur les travaux de mon prédécesseur Francis Deng et sur le cadre conceptuel qu'il nous a légué pour remplir la mission extrêmement complexe et délicate que l'on m'a confiée. Pour bien comprendre les attributions du Conseil spécial pour la prévention du génocide, il importe de se rappeler que ce mandat a été créé en 2004 par l'ancien secrétaire général de l'ONU et se faisant Kofi Annan donner suite à une demande du Conseil de sécurité découlant de l'auto-évaluation à laquelle s'est livrée l'organisation après avoir échoué, comme ça, chacun s'en souvient, à prévenir ou à arrêter les génocides de Srebrenica et du Rwanda. Au terme donc du mandat, le Conseil spécial est chargé de, premièrement, recueillir toutes les informations, notamment au sein du système des Nations Unies, concernant les violations graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire, fondées sur l'origine ethnique et la race, et qui, si rien n'est fait pour les prévenir ou les faire cesser, comportent un risque de génocide. Deuxièmement, faire office de mécanisme d'alerte rapide pour le secrétaire général et par son intermédiaire pour le Conseil de sécurité en portant à leur attention toute situation présentant un risque de génocide. Troisièmement, formuler des recommandations au Conseil de sécurité par l'intermédiaire du secrétaire général sur les mesures visant à prévenir ou à faire cesser tout génocide. Et enfin, assurer les relations avec le système des Nations Unies sur les activités de prévention des génocides et s'efforcer d'améliorer la capacité de l'ONU d'analyser et de gérer toute information relative aux crimes de génocide et des infractions connexes. Les attributions de mon bureau ont été étendues en décembre 2010 de manière à englober toutes les situations comportant un risque non seulement de génocide mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et nettoyage ethnique, soit les quatre types de crimes et de violations visés dans la définition du concept de responsabilité de protéger. Cette extension faisait suite à la décision du secrétaire général de créer une structure bicéphale, le Bureau de prévention du génocide et de la responsabilité de protéger, pour tenir compte de la particularité du mandat de chacun des deux conseils spéciaux et de leur complémentarité. Chers amis, si je devais définir en un mot mon rôle de conseil spécial, je choisirais celui de catalyseur. En effet, j'ai pour mission d'appeler l'attention des dirigeants de différents organismes des Nations Unies sur les situations qui, si on les laisse évoluer, pourraient déboucher sur un génocide ou des crimes apparentés et de mobiliser les efforts en faveur de la prévention. Mon rôle ne se limite donc pas à tirer le signal d'alarme, mais il consiste aussi à déclencher au sein du système des Nations Unies une réaction visant à prévenir ou à faire cesser les crimes odieux. Et à cet égard, deux éléments sont déterminants pour l'exécution de mon mandat, la gestion et l'analyse de l'information. Et la capacité de réagir à temps et de manière judicieuse. Comme le rappelait inlassablement mon prédécesseur, le génocide peut être considéré comme une forme extrême de conflit identitaire, c'est-à-dire un phénomène qui se produit dans des sociétés plurielles où se côtoient différents groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Les tensions entre ces groupes ne découlent pas de leurs différences en tant que telles, mais souvent d'inégalités d'accès au pouvoir et à la prospérité, aux services et aux ressources, à l'emploi et aux perspectives de développement, à la citoyenneté et à l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Vu que tous les États ont une population mélangée, aucun ne devrait s'estimer à l'abri de telles tensions. Dès lors, la gestion constructive de la diversité apparaît comme une importante stratégie de prévention pour tout pays. L'idée est que les pouvoirs publics
doit faire en sorte que tous les groupes de population exercent leurs libertés et droits fondamentaux sans discrimination et dans des conditions d'égalité sur les plans civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, conformément aux normes internationales des droits de l'homme. Lorsque les populations se trouvent face à un risque imminent de violence, il est trop tard pour commencer le travail de prévention qui doit être entrepris de manière précoce afin de dissiper les éventuelles causes de tensions entre groupes bien avant que la situation ne devienne incontrôlable. Les États doivent se donner des structures et institutions à même de protéger les populations. Des institutions nationales et indépendantes, fortes et crédibles, qui offrent une protection structurelle et soient en mesure de régler de façon pacifique et équitable les différends et les désaccords entre groupes dans le respect de la primauté du droit, des droits de l'homme et du principe de non-discrimination. De plus, pour changer la perception qu'a une société de certaines de ses composantes et lutter ainsi contre les antagonismes naissants ou installés, le sentiment d'opposition entre nous et eux, il faut un enseignement public qui inculque des valeurs dès le plus jeune âge. Revenons à mon mandat, dont la première disposition prescrit le conseil spécial de recueillir toutes les informations. Et pour s'acquitter de cette tâche, mon bureau a mis au point une méthode d'évaluation qui donne un caractère systématique à sa démarche et a élaboré un système de gestion de l'information au moyen duquel il recueille et enregistre les informations utiles concernant des situations préoccupantes partout dans le monde. Et grâce à ce système, mon bureau reçoit quotidiennement des informations confidentielles et publiques provenant de différentes sources, notamment des divers centres de situation de l'ONU, d'organisations de la société civile, d'organisations de presse, du monde universitaire, etc. Un spécialiste de l'information procède à une évaluation des renseignements reçus, sélectionne ceux qui présentent un intérêt et les compile dans des rapports hebdomadaires et mensuels qui sont diffusés aux entités partenaires dans le système des Nations Unies. Le bureau a aussi créé une base de données géographiques dans laquelle sont enregistrées des informations en rapport avec mon mandat, comme les incidents touchant à la sécurité, les actes de violence et les violations des droits de l'homme. Cette base offre la possibilité de cartographier les informations et de réaliser les analyses quantitatives. Par ailleurs, le bureau a établi un cadre d'analyse systématique des situations inquiétantes. Il s'agit d'un outil d'évaluation des risques applicable à toute situation qui comprend 8 indicateurs ou facteurs de risque, si vous voulez, comme par exemple l'état de relation entre groupes de population et les pratiques discriminatoires visant tel ou tel groupe, la constatation d'actes constitutifs du crime de génocide, la présence d'armes illégales et d'éléments armés, les conditions structurelles ou conjoncturelles mettant l'État dans l'incapacité d'empêcher un génocide ou encore les facteurs déclenchants tels que la tenue d'élections ou les prises de pouvoir non constitutionnelles. Ce cadre se présente sous la forme d'un document que vous pourrez d'ailleurs consulter sur notre website. Pour pouvoir évaluer telle ou telle situation de manière plus approfondie, à l'aide du cadre d'analyse, mon bureau emploie des référents régionaux qui font des travaux de recherche circonstanciés, collectent des informations auprès des collègues du siège ou des bureaux locaux de l'ONU et de spécialistes des pays concernés, d'organisations de la société civile, etc. Et si le bureau ne parvient pas à obtenir les informations dont il a besoin pour évaluer correctement une situation, une mission d'enquête peut être envoyée sur place. Les conclusions sont communiquées au moyen d'avis adressés au secrétaire général et de déclarations publiques. Elles servent aussi à des processus de décision internes au secrétariat à différents niveaux.
Le système de gestion de l'information et le cadre d'analyse élaboré par nos bureaux sont pour les Nations Unies un outil sans pareil conçu spécialement pour recueillir et analyser les informations sur les situations comportant un risque de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Le cadre ayant été largement diffusé, il est maintenant utilisé par d'autres départements, bureaux et institutions des Nations Unies, à l'exemple du rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. Des organisations régionales telles que l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAS, l'ont également adopté. Mon bureau travaille actuellement à l'élaboration d'un cadre d'analyse analogue pour les crimes contre l'humanité. Pour ce qui est d'aider d'autres acteurs à identifier les facteurs de risque et à intervenir, mon bureau a mis au point en 2009 un programme de formation destiné aux fonctionnaires de l'ONU, aux États membres, aux organisations régionales, aux organisations de la société civile. Ce programme a pour but de renforcer leurs capacités pour les amener à identifier les facteurs de risque, à recueillir, évaluer et gérer les informations sur ces facteurs et à élaborer des mécanismes d'alerte précoce et à définir et appliquer des mesures préventives. Nos stages de formation sur mesure répondent aux besoins particuliers des participants. Ces trois dernières années, nous en avons organisé dans 16 pays, dont la Colombie, la Croatie, l'Égypte, le Liban, la Pologne, la Thaïlande et le Soudan, pour des participants de plus de 25 nationalités. Notre programme de formation est mené à bien en collaboration avec des partenaires du système des Nations Unies, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et des organisations non gouvernementales telles que le Auschwitz Institute of Peace and Reconciliation et le Siegeldagen Institute. Et permettez-moi de vous donner un exemple de ce que nous faisons en matière de formation. En adoptant un protocole tiré de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs est devenue le premier organe sous-régional à se doter d'un mécanisme exclusivement consacré à la prévention et à la répression des atrocités de masse. En 2010, elle a créé un comité régional pour la prévention et la répression du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et de toutes les formes de discrimination, dont les membres ont décidé de prendre des mesures juridiques et administratives en vue de créer des comités nationaux. Mon bureau a fourni une assistance technique au comité régional et aux trois premiers comités nationaux créés en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, notamment en organisant des ateliers de formation sur la mise en place de stratégies et de mécanismes d'alerte précoce et l'élaboration de plans d'action des comités. À la fin du mois d'octobre, j'ai séjourné en Ouganda où j'ai eu des entretiens très riches avec les plus hautes autorités gouvernementales. Le représentant d'Interpol à Kampala a pris part à mes échanges avec le ministre de l'Intérieur qui a demandé une formation pour la police ougandaise. J'ai donné mon accord et certainement qu'Interpol apportera son appui. En tant que petite structure investie d'une vaste mission, nous nous efforçons d'utiliser au mieux les ressources à notre disposition et privilégions la formation de personnes dont nous pensons qu'elles peuvent influer sur le cours des choses en pesant sur les politiques, les décisions et les mesures visant à améliorer la protection des populations contre les atrocités. L'intérêt suscité par ce programme et le soutien qu'il reçoit sont un encouragement. Mon bureau est également très préoccupé par la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un rapport que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a publié en octobre 2012, plus de 475 000 personnes ont été déplacées dans le pays depuis la province orientale, le nord Kivu et le sud Kivu depuis la crise actuelle en avril 2012, une crise qui, vous l'avez vu aux images d'hier soir à la télé, devient très très préoccupante.
Plus de 50 000 personnes ont trouvé refuge dans l'Ouganda voisin et 25 000 au Rwanda. Des groupes armés, en particulier le M23, les FDLR et les milices Mai Mai, sont responsables de meurtres ciblés de civils, de viols massifs, de recrutements forcés, notamment à l'endroit d'enfants, d'enlèvements et d'actes de torture, entre autres violations. Il faut trouver les moyens de mettre un terme à ces atrocités. J'aimerais pour finir faire observer qu'en janvier 2012, le secrétaire général Ban Ki-moon a souhaité que 2012 soit l'année de la prévention. Des progrès ont été accomplis cette année par de jeunes démocraties qui cherchent à se doter d'institutions plus représentatives. En revanche, la tragique escalade de la violence en Syrie nous fait mesurer le chemin qui reste à parcourir avant que nous soyons à même de nous unir pour prévenir ou faire cesser les atrocités et montre à quel point il importe d'y parvenir. Nous avons tous un rôle à jouer. Pour être efficace, la prévention exige de la détermination et des initiatives au niveau local, national et international, ce qui implique notamment de s'entendre pour construire des sociétés tolérantes et ouvertes à la diversité. Je vous remercie encore une fois d'avoir organisé cette réunion d'une importance immense et de nous offrir la possibilité de dialoguer de façon constructive et de débattre de ces questions pressantes. J'espère que ce n'est là qu'une étape sur la voie de l'union qui permet de transformer paroles et intentions en actes. Je vous remercie.